protection. Je suis venu avec mes mamans et mes soeurs. Nous venons de Songo, Agba, le village de Gambo. Quand il est venu, il est parti là. Voilà, nous venons de ce village. Là-bas, comment est-ce que vous trouvez le président Bakou? Comment vous l'avez fait? Faut nous dire. Depuis le début, nous sommes avec lui. C'est là-bas qu'on a fait sa prière et on a voté la gagné. Donc, la majorité de Songo, là, Agba, là, c'est Bakou. Songo est venu aujourd'hui soutenir le président dans sa candidature. Songo est d'accord à la candidature du président. Bien sûr. Quand il était à l'AIE, tout le monde pleurait. Mais on se réunissait chaque fois. Les mamans, il y a beaucoup qui sont mortes. Elles sont mortes. Mais chaque fois, elles pleuraient. Elles disent qu'est-ce qu'on va voir Bakou Laurent avant de mourir. Il y a beaucoup qui sont mortes. Elles sont mortes. Mais il y a beaucoup aussi qui sont vivants. Celles qui sont déjà parties de ce monde, quel message vous avez pour elles aujourd'hui? Qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Wow. Nous regrettons vraiment de n'être pas être vivantes, qu'elles sont parties. Mais nous qui sommes sur la terre, là, la vie continue. Et on meurt avec la vie. On te le tout à dire. Le Tawene, Womwe, Jésus, Yano, Awa, Dote, Apenge. Le Tawene, Womwe, Bagbo. Yita mabwe e mu hepe. Bagbo di konsole on pemelia. On romele pa beno a pemelia. Yano eto salele wume. Nera bagbo tole menenye. Kudu bagbo tole menenye. Amen. Moi c'est Atesha. Nous sommes ici pour la convention. Hein. Nous sommes décidés à faire revenir notre président Laurent Gbagbo au pouvoir. Et si nous sommes ici, c'est la prestante cause. Il n'y a rien d'autre encore. Voilà, c'est ce que je peux dire. Je suis né en 1922. Si vous voyez que moi j'aime Gbagbo, tous ses promesses sont réalisées. Il ne ment pas. Il est véridique. Moi, ce n'est pas parce qu'il est joli, t'entends, non. Mais lui-même, son parole-là, c'est ça, moi, j'aime. C'est pourquoi je le suis. Alors, donc, c'est notre candidat. Ce qui est sûr, Gbagbo, il est déjà élu. Il est élu. Gbagbo est déjà élu. Si je me déplace pour venir ici, ça veut dire que la joie qui m'anime, je ne peux pas l'exprimer. Le fait que le président est de retour depuis 90, on l'a soutenu. Et je sais comment il a accédé au pouvoir. Et je vois, c'est le même dessin que je suis en train de vivre. Je sais que l'année 2025, nous allons au pouvoir avec Laurent Gbagbo. Vous êtes venu apporter votre soutien au président. Mon soutien et le soutien de Diokwe à Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo est un le leader des peuples africains. C'est le seul qui peut nous aider, sinon on ne voit pas. C'est le seul. Malgré que l'État est revenu, mais nous on le soutient toujours. Jusqu'à dans notre tombe, Gbagbo Laurent. J'aime le président. J'aime mon coudou. Je l'aime beaucoup. Donc, à cause de lui, je me suis déplacé. Pour venir le voir, pour l'écouter et pour le soutenir. Pour le soutenir. Pour 2025. Je suis venu pour le soutenir pour 2025. Vous savez, je suis de la génération 90, hein.
Donc pour nous, c'est lui qui est venu nous éclairer. Donc depuis 90, nous sommes avec lui. Hein. C'est notre leader, c'est celui en qui nous avons mis toute notre confiance. On ne va pas dire la foi, mais on a mis notre confiance en lui. Parce que nous disons que c'est quelqu'un qui peut demain nous sortir de cette difficulté, de cette souffrance que les Ivoiriens sont en train d'endurer. Donc, pour autant, nous sommes venus pour le soutenir à son investiture. Pour que 2025, nous sommes dit, c'est pour lui. Mais il n'est pas encore sur la liste électorale. Non, ça, c'est déjà fait. C'est déjà fait. Parce que si quelqu'un n'est pas sur la liste électorale, une convention ne pourra pas avoir lieu. On connaît le pouvoir actuellement. Ils n'avaient pas accepté qu'on vienne s'asseoir avec tel Ivoire ici. Mais aujourd'hui, s'ils nous acceptent, ils nous encadrent. Ça veut dire que son nom est déjà sur la liste électorale. Voilà. Merci beaucoup. Bon, aujourd'hui, bon, c'est un grand jour pour moi d'être à la convention du PPACI. Et à cette convention-là, nous allons désigner formellement et solennellement et investir le président Laurent Gbagbo pour qu'il soit vraiment le candidat du PPACI aux élections de 2025. Donc, à partir d'aujourd'hui, c'est un grand jour. C'est une journée que je voudrais mémorer parce que notre président, le futur président de la Côte d'Ivoire, va être installé. Et donc, aujourd'hui, c'est une journée que je n'aurais manqué pour rien au monde. Qu'est-ce que vous avez comme message pour ceux qui sont encore réticents à suivre le premier assigné du président Laurent Gbagbo? Mais je dirais tout simplement que la Côte d'Ivoire, c'est pour nous. Et nous devons de lutter pour que la Côte d'Ivoire reste pour nous. Ce n'est pas faire preuve d'exclusion, mais il faut appeler les choses par leur nom. Nous, Ivoiriens, nous devons lutter pour prendre le leadership dans notre propre pays. Et je reconnais en cela notre président, le président Gbagbo. Et c'est pour cela que, en tout cas, je demande à chacun, à chaque Ivoirien, à chaque Africain, de suivre le combat. De suivre le combat avec, bien sûr, notre président Laurent Gbagbo. En 2024, il y a deux faits essentiels. Il y a la grande fête de la Renaissance que nous avons à Beauville, mais il y a aussi ça, la fête de l'investiture de notre président. Nous sommes très heureux parce qu'aujourd'hui, nous démontrons au monde entier que Laurent Gbagbo est des nôtres, que Laurent Gbagbo est celui-là que nous avons choisi. C'est notre choix. C'est notre choix. C'est le candidat du PPACI, c'est le candidat de la Côte d'Ivoire. Et nous sommes venus aujourd'hui le plébisciter. Comme quoi nous disons, c'est maintenant que ça commence. C'est maintenant que la bataille commence pour 2025. 2025, on aura la victoire. La victoire de Laurent Gbagbo, c'est en 2025. Et nous sommes là pour le démontrer.